Moi, j'ai toujours pensé que le but du mariage, ce n'est pas simplement de faire des bisous-bisous ou encore de se regarder dans les yeux chaque matin ou de se dire combien de fois il est beau ou elle est belle. Non, j'ai toujours pensé que le but du mariage, ce n'est pas seulement par amour. J'ai toujours pensé que le but du mariage, c'est aussi un partenariat. On ne se marie pas juste parce qu'on s'aime. On se marie parce qu'on pense qu'on est compatible sur nos différents projets dans l'avenir. On se marie parce que nous avons les mêmes visions. On se marie parce que nous avons la même destinée. On se marie parce que nous avons les mêmes valeurs et principes. On se marie parce que nous avons les mêmes combats. On ne se marie pas aux gens parce qu'ils sont beaux. Non, je suis désolée. On ne se marie pas aux gens juste parce qu'on les aime. Qu'en est-il de votre vision? Et là, vous verrez que dans plein de mariages aujourd'hui, la femme ou l'homme s'oppose à la vision de l'autre. Et vous blâmez la personne d'être la mauvaise personne. Je suis désolée, vous avez simplement fait le mauvais choix. Vous trouvez qu'elle se plaint. Mais quelle était votre décision de base? Quelle était votre attente? Quels étaient vos accords à la base? Elle ne s'attendait pas à cela. Vous vous attendez à ce qu'elle comprenne alors qu'elle ne comprend même pas votre direction de la vie. On ne se marie pas par amour, je le dis et je le redis. On se marie parce que nous avons la même vision dans la vie. Nous avons les mêmes combats. Nous avons la même direction dans la vie. On partage les mêmes principes et valeurs. Je suis désolée. On n'est plus à une époque où on se marie par amour, juste par amour. J'ai pas dit que c'était pas important. Mais je dis qu'il en faut beaucoup plus.